à Chengdu, la ville du festival. Donc on est ici pour une semaine. Là, donc on prend le bus pour aller à l'hôtel. Pour conclure sur l'histoire des petits chanteurs à la croix de bois, j'aimerais dire que ce chœur reste pour des milliers d'enfants, des milliers de garçons, je dirais, puisque nous sommes un chœur de garçons. Bonjour, bonjour, je m'appelle Antoine. Je m'appelle Paul-Marie. Et je viens de Bordeaux. Et je viens de Paris. Sa création était légèrement avant la guerre. En 1906, deux étudiants de la célèbre école de Paris, la Schola Cantorum de Paris, ont eu l'idée un jour de créer un chœur d'enfants qui voyagerait de ville en ville, de village en village, de salles, de spectacles, de lieux de concert, d'églises également, pour faire connaître la musique savante, la musique ancienne, afin que partout, on puisse redécouvrir cette musique. Ça continue. L'époque de Monseigneur Meillet jusqu'à aujourd'hui, ce sont des enfants qui ont eu la chance de vivre un projet extraordinaire, de voyager à travers le monde pour faire connaître la musique, pour partager, rencontrer d'autres pays, rencontrer d'autres cultures et vivre quelque chose d'extraordinaire, tout en étant une œuvre éducation populaire. Nous pouvons aller dans des grandes villes, dans nos champs. Nous avons cette mission d'accessibilité, de rapprochement de tous. C'est-à-dire, nous allons dans des grandes villes comme Chengdu, où nous sommes actuellement, à Paris. Nous pouvons aller dans des petits villages de 500 habitants en France, lors des tournées de France, même sur des tournées. Ou nous pouvons aller à Shanghai, Tokyo, Séoul, dans des grandes villes d'Allemagne. Tout ça, pourquoi? Parce que nous désirons, nous avons ce souhait, de toucher tout le monde, que ce soit les populations loin dans la campagne ou les populations des grandes villes, les enfants comme les personnes âgées ou les personnes actives. Let's welcome the few singers of Paris, the conductor Mr. Hugo. Let's welcome.